Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière, Daniel Riolo de l'Afterfoot RMC qui rejoint la bande des GG et Fatima Ibounoua, professeur de français. Les 1000 euros RMC, c'est tous les jours, c'est dans les grandes gueules et c'est chez Moscato, c'est à partir de 9h et à partir de 16h. Et tout au long de la journée, il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7327. Pour gagner les 1000 euros, c'est un tirage au sort, un coup de bol, et c'est vous qui les gagnez et vous exprimez votre joie en direct tout à l'heure chez Vincent Moscato à partir de 16h. Permettez que je salue une nouvelle fois les élèves de l'école de journalisme HEJ de Montpellier et de Lyon et la terminale de Romain Rolland de Goussainville dans le 95, dans le Val-d'Oise, qui sont avec nous aujourd'hui. Je sais que l'un de ces étudiants en école de journalisme sera dans le GG et vous tout à l'heure à midi moins le quart avec Fatima Ibounoua. C'est l'heure du grand oral des GG. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Benoît Hamon. Bonjour monsieur Hamon. Bonjour. Merci d'être là, tête de liste génération aux élections européennes. On va parler des élections européennes, du débat, puisque vous serez sur France 2 finalement, mais si vous voulez baisser un petit peu la chaise, vous voulez la baisser, tout va bien. Pourquoi vous voulez me rapetisser? Je suis bon, une fois que je suis grand, ben, je suis content. Moi. Pataquès, là, au sein du gouvernement, avec Jean-Paul Delevoye, sur l'âge de la retraite, 62 ans, Delevoye qui dit « si on touche ce curseur, je m'en vais », le gouvernement qui tente de rassurer, on n'y touchera pas. Est-ce qu'il faut bouger cet âge de 62 ans ou pas, selon vous? Moi, je pense que non, mais en fait... Si on est un peu honnête, il n'y aura pas beaucoup de solutions entre ou allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire reculer l'âge de la retraite, ou baisser les pensions si on ne change pas le financement. C'est-à-dire si on dit qu'on ne touche pas à qui finance les retraites, bah, tôt ou tard, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de travailleurs, on dira eh ben, il faut travailler plus longtemps, ou alors il faut baisser les pensions. Et c'est la raison pour laquelle moi je mets sur la table, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que c'est une bonne idée. Donc, c'est pour ça que je la défends. Aujourd'hui, une entreprise, par exemple BFM ou RMC, va payer des cotisations au système de retraite en fonction du nombre de salariés qu'elle a. Donc vous avez là un mécanisme de calcul. Mais si demain, il y avait de moins en moins de salariés, par exemple dans la grande distribution, parce qu'il y a de plus en plus de portiques, de caisses automatiques, mais que vous gagnez toujours autant d'argent pour l'entreprise, vous allez diminuer votre contribution au système de retraite. Pour autant, vous êtes toujours aussi riche. Et moi, je pense que demain, la contribution des entreprises au système de retraite, elle ne doit plus être fonction du nombre de personnes qui travaillent, mais de la richesse qu'elle crée. Donc le chiffre d'affaires, c'est ça? Exactement, la valeur ajoutée. Les bénéfices surtout. Oui, mais le chiffre d'affaires, ça peut faire sens aussi. En gros, un modèle qui ne repose pas sur un calcul de votre contribution au système de retraite fonction du nombre de salariés. Je prenais l'exemple de la grande distribution parce qu'il est parlant. On voit bien que je regardais les interviews des patrons de Carrefour, de Casino, ils annoncent tous l'ère des magasins sans automatique, sans hôtesse de caisse, sans plus grand monde. Et dans les faits, ça va être pareil dans les banques aussi. Hein, de plus déjà en plus, oui, pareil. C'est, dans les c'est même pareil. Alors là, c'est pas c'est différent, mais c'est même pareil dans le service public. La dématérialisation du service public. Il y a des fois, on cherche le fonctionnaire à qui pouvoir parler, mais bon, ça c'est un autre débat. D'accord. Vous êtes candidat aux élections européennes, tête de liste avec Génération. Finalement, France 2 vous intègre dans son débat avec François Asselineau, avec Florian Philippot, mais fait appel quand même, hein, parce que vous aviez saisi la justice, en disant que ça porte une atteinte grave à la liberté de la presse. Donc aujourd'hui, si on veut être invité sur un plateau, Benoît Hamon, il faut saisir la justice. Alors, c'est la manière forte. Bon, d'abord, les obligations de France Télévisions ne sont pas les mêmes que les vôtres, parce que c'est un service public qui a un cahier des charges, il faut le dire. Moi, j'ai saisi la justice sur un point, qui est le pluralisme, et qui est une liberté fondamentale, et qui a été ainsi caractérisée par le Conseil d'État, et le tribunal administratif m'a donné raison. Il m'a donné raison, je comprends l'appel de France Télévisions, ça ne changera rien, en fait, que le débat nous intègre, mais les obligations ne sont pas les mêmes, et le paradoxe, je vais le dire comme ça, c'est qu'il a fallu qu'on aille devant la justice pour que le service public m'invite. Il m'avait invité, retiré de l'invitation, puis remis maintenant. Alors que ses concurrents du secteur privé, le groupe TF1, vous-même, n'avaient pas... avaient invité tout le monde, non moi. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée, devant la difficulté d'avoir des réponses objectives, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, semble-t-il. Je n'ai pas eu d'autre solution que de faire cela. C'est la première fois que je fais ça. Mais c'est juste parce que c'est le service public, en fait. C'est ça qui aujourd'hui, vous n'auriez pas saisi
pour un groupe privé. Là, c'est parce que c'est vraiment là, le service public. Objectivement, il y a un vrai problème à ce qu'on me donne comme argument les intentions de vote en disant bah, vous ne pouvez pas parce que vous avez des intentions de vote. Il n'est pas très haut. Oui, Lagarde, même Dupont-Aignan était derrière. Donc, je leur ai dit ça ne marche pas. Ensuite, on m'a dit la représentation au Parlement européen. Moi, j'en ai une, j'ai des parlementaires européens, d'autres pas. Donc, ni l'un ni l'autre séparément de marché comme critère. Donc, additionner, ça ne marche pas davantage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai du coup fait cette démarche extraordinaire pour ce qui me concerne, parce que je vais rarement... Je suis d'accord avec Daniel Riolo sur le service public et l'idée que vous défendez et que vous soyez invité, mais est-ce que vous êtes d'accord également pour dire que quand on a vu ces grands débats avec, je ne sais même pas quelle est la limite, mais déjà au-dessus de 8 candidats, 10 candidats autour avec pupitre, avec le temps de parole, il n'en ressort pas grand-chose finalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose genre, je sais pas. Vous avez raison, oui. Évidemment, mais... service public, que vous soyez invité, c'est normal, mais à 3 ou 4, enfin que vous défendiez vos... Et pas forcément... entre petits, parce que ça aussi, ça ne serait pas terrible non plus. Après, on peut... Mais... Non, vous avez raison. Oui, mais le débat, parce que là, vous allez... combien vous allez vous retrouver ? 12. Et 11, c'était pendant la présidentielle, si je me souviens bien. Alors moi, je l'ai déjà fait. C'est pas bien vu, ça. C'est pas très satisfaisant, je vous confirme. Très frustrant. On en sort avec beaucoup de frustration. C'est, à mon avis, frustrant pour tout le monde, ceux qui sont devant leur téléviseur, comme ceux qui parlent, et les journalistes également, qui, à mon avis, ne tirent pas la substantifique moelle de chacun. Il faudrait trouver une formule. J'avoue que... Alors là, pour le coup, je me tourne vers vous, vous les professionnels de ce métier-là, je ne sais pas quoi, mais incontestablement, ce soir, à la fois, ce sera intéressant, j'espère, en tout cas, moi, je vais essayer, demain soir, pardon, d'y mettre un peu de contenu, mais ce sera sans doute frustrant. Alors, justement, parce qu'il y a la forme et le fond. Le fond, ce sont les idées que vous allez porter et défendre en tant que tête de liste avec Génération. Mais quand on regarde, on se dit, mais ce qui est dingue, c'est combien il y a de listes de gauche. Vous allez vous retrouver avec combien de petits camarades à vos côtés. Alors, vous me faites le signe de la main, 5. J'allais les égrener, effectivement. Mais on se dit, c'est quand même... Il y a Place Publique, il y a Génération, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a La France Insoumise. Il y a le Parti Communiste avec Yann Brossat. Ça va ressembler à des groupuscules. Oui, pour finalement, quand même avoir 5 listes où la majeure partie des idées, vous pourriez les mettre dans un pot commun, quoi, en fait, bon, Benoît Hamon. À droite, c'est pareil. Macron, on va le mettre à gauche. On a Macron, l'UDI, l'UMP, Dupont-Aignan. Bon, bref. Donc, on peut jusqu'au Front National. Bon, on a une division aujourd'hui de l'offre politique. Est-ce que c'est satisfaisant ? Non. Mais il y a quand même une chose qui est très importante. J'insiste là-dessus. En politique, il y a les idées. On est pour la justice sociale, on est pour la lutte contre le dérèglement climatique. Et ces idées réunissent la gauche. Mais il y a les idées et l'action. Le comment j'y vais, comment j'atteins cet objectif, avec qui je m'allie. Et c'est au moins aussi important. Et moi, je revendique, en tout cas, j'essaye d'être honnête dans mon engagement. Depuis le début, d'être constant, d'être fidèle à ce à quoi je crois. C'est pour ça, à la présidentielle, on m'a dit « Mais pourquoi vous abandonnez pas vos idées? Vous avez perdu. » Non, je peux abandonner le combat, l'action, mais pas les idées. Si on abandonne au moment où on a perdu une élection, une idée, ce serait quand même curieux. On vous a aussi demandé pourquoi vous vous alliez pas à Mélenchon. Oui, on m'a demandé ça. Vous aviez proposé un programme. L'exemple est bon. Parce qu'on est d'accord avec Mélenchon, on pense que l'Europe n'est pas assez démocratique. Mais moi, je ne suis pas favorable à une sortie des traités. Parce que je pense que le risque qu'on ferait courir à l'Europe, c'est tout simplement de la détricoter et d'accélérer son effondrement. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait demain une révision des traités et de dire, avant que cette révision des traités ait lieu, parce que ça va prendre un tout petit peu de temps, il y a des règles d'unanimité, qu'est-ce qu'on fait le lundi matin ? Est-ce qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'Europe ? Alors pourquoi est-ce que les lobbies mettent autant d'argent à essayer de corrompre les députés européens s'il n'y a pas de pouvoir au Parlement européen ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de pognon aujourd'hui pour essayer de peser sur des directives ? C'est bien parce qu'il y en a du pouvoir. Donc moi, je pense que ce sur quoi nous sommes attendus, après tout, quand les gens nous disent « mais les glyphosates, est-ce qu'on les interdit ou on les interdit pas ?» Ben ça, c'est une décision européenne qui peut être prise très vite. Les perturbateurs endocriniens, on voit qu'il y a une décision qui n'a pas été prise, ça peut être pris très vite. Sur les questions sociales, le travail détaché, ça peut être pris très vite. Donc il faut dire ce qu'on fera le lundi matin, parce que si... et ça, c'est le désaccord, par exemple, que j'ai avec Jean-Luc. Bon, ben voilà, c'est des idées et la stratégie. Sur le comment on y va, lui, il est visiblement plutôt pour l'insurrection et qu'on casse un peu tout. Vous non plus, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Non, mais j'assume un mot. Alors, pardon, j'espère que je vais être bien interprété. Je pense qu'il faut faire de la guérilla parlementaire. C'est-à-dire que je suis député député européen. Et je vais chercher tous les moyens d'empêcher, par exemple, la Commission européenne, dont on peut contester la légitimité démocratique, de faire des choix qui me semblent être opposés à l'intérêt des peuples. Mais, donc ce travail-là, Mais c'est la guerre d'ego ?
C'est parce que chacun comme ça existe et continue d'exister dans le paysage politique. Non, mais je vais être hypocrite si je vous dis qu'il n'y a pas d'ego en politique. Évidemment qu'il y en a. Il y en a. Je ne sais pas s'il y en a plus en politique que sur les plateaux télé, d'ailleurs, il y en a partout. Mais là, si je parlais de la gauche, je ne vais pas parler de la droite. On voit, c'est divisé. On se dit, ah, c'est quand même dommage. Nous, on avait proposé, puisque c'était le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une demande de démocratie, ou en tout cas que ça change dans les méthodes. Ouais. On avait proposé ce qui me semblait être quelque chose d'original, une votation citoyenne. On avait dit, OK, on n'y arrive pas entre partis politiques, les chefs de parti ne peuvent pas s'entendre, pour les raisons que vous évoquez. Et ben, on demande aux citoyens de gauche de faire une primaire. Moi, je me souviens de la primaire que j'ai vécue, je gagne, mais derrière, mon parti... Ne vous suit pas. même plus. Non, vous assassinez. Plus des coups de gourdin sur la tête. Mais parce que la primaire, elle a fracturé mon camp. La conclusion que j'en tirais, c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver un mode de scrutin original pour que les citoyens de gauche fabriquent une liste? Et j'ai proposé ce qui se fait ailleurs, d'ailleurs. Marrant, en France, on dit, oh là là, on n'y arrivera pas. Mais pourquoi on le fait ailleurs et on ne le ferait pas en France? Ce qu'on appelait un vote préférentiel. En clair, M. Maillot, il regarde les listes de gauche, il dit, bah, écoutez, moi, je mets Mélenchon en 1, je mets les écolos en 2, non, mais je ne sais pas, j'invente. Je mets en 2 Jadot, et puis j'ai trouvé sympathique le revenu universel de Hamon, j'en sais rien. Jadot, je le mets en 3. Et donc, là, 3 points, comme l'Eurovision. Et en clair, on fabrique une liste. Le vote préférentiel, il est utilisé à l'étranger. Je prends l'Eurovision parce que ça parle à tout le monde, qu'on n'a pas l'habitude en France, nous. Mais on fabriquait une liste qui n'excluait personne. Donc je pense que c'était une méthode originale. Voilà. D'accord. Oui, Fatima Hidbounois. Tout ça, c'est... Comment dire ? J'ai l'impression que souvent, vous parlez plus de vous que des gens. C'est-à-dire qu'on parle de vous, des partis, entre vous, voilà, vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord. Et pourtant, il y a une attente et de représentation, il y a eu cette crise de confiance, et notamment, il y a l'attente de toute cette population qui a été soit abandonnée, soit trahie. Je m'explique. Pendant longtemps, on a dit, quand on avait un ouvrier, ou quand on avait quelqu'un des quartiers populaires, ou même des profs, on se disait, ah, forcément, ces personnes-là votent à gauche, ou vote PS. Ce n'est plus le cas actuellement. Depuis longtemps. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Et j'ai l'impression que le temps que le PS s'en rende compte, c'était trop tard. Ils sont partis au Rassemblement National. Et c'est pas du tout, je me base pas du tout sur les statistiques. Je vous dis ça parce que mon père, même ouvrier d'usine pendant une trentaine d'années, qui a vu l'élection de Mitterrand, il se retrouve me plus disait, dans les partis de gauche et ne vote gauche. Jamais le Parti Socialiste. Parce que lui, il se souvient des trahisons du Parti Socialiste, notamment la suppression de l'échelle mobile au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et moi, j'ai grandi avec ça. Il n'a pas fait tout de suite. Et ensuite, maintenant, plus vieille, je me disais, oh, il exagère, mon père, il exagère toujours. Mais en vieillissant et en grandissant, on a eu l'exemple de François Hollande. Et maintenant, j'ai mes collègues qui me disent, gifle-moi si je vote PS un jour. Parce que eux, ce qui reste au travers de la gorge, c'est la réforme du collège, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez reconquérir les ouvriers, votre électorat? Ou alors vous avez changé d'électorat? Plutôt que d'inventer une usine à gaz pour désigner qui doit... Non, mais bon. Oui, avec quelles idées? Les classes populaires, il faut élargir un peu. Les classes populaires, ou alors vous avez changé Benoît de... Non, alors si on... En tout cas, on est honnête. D'abord, votre raisonnement est juste, moi je ne le discute pas, et j'irai même au-delà. Il y a évidemment sur la question sociale, la gauche a failli, vous pouvez dire trahi, peu importe le mot, c'est qu'en tout cas elle n'a pas été au rendez-vous. Mais elle a aussi raté quelque chose, c'est qu'on peut reprocher à un pouvoir politique de s'être raté, de s'être trompé, de ne pas avoir fait la bonne politique économique, mais ne pas le quitter pour autant. Mais là où nous avons été quittés, là où la défaite a été morale, c'est sur la déchéance de nationalité, par exemple. Parce que là, on a changé carrément de logiciel en disant il pourrait y avoir une inégalité entre les citoyens inscrite dans la Constitution. Et moi, j'ai vu les dégâts dans la gauche. Alors, je vais prendre celle que je connais le mieux, parce que je viens de là. La gauche, ce qu'on appelle les cathos de gauche, les bretons modérés, etc., qui ont été frappés par ça. Donc ça, tout ça, vous avez raison, il y a eu une faillite. Mais ça, et je plus pense que politique... Fatima, il s'en fout complètement, là. Non, mais je dis... De nationalité. C'est pas de ça, c'est pas de ça. Non, mais attendez, mais j'essaye d'aller au bout de mon raisonnement. Vraiment, on a échoué sur les questions sociales, mais plus que ça. Et la question, elle est maintenant, comment... En fait, on part à... Je sais pas si on peut dire la reconquête de l'électorat populaire, mais en tout cas, comment est-ce que le combat politique qui est le nôtre s'adresse à...
aux gens qui sont les victimes du système capitaliste. Mais les voit ces gens et les entend. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Comment vous faites pour voir les gens à nouveau? Oui, mais ça, c'est pas... Et contrairement, c'est pas... Aussi, c'est ça, on a l'impression qu'il y a un décalage. Mais vous ne les avez pas vus à la présidentielle. Non, mais c'est ça. Moi, je... Donc là, ça va encore être plus difficile à l'européenne. Sauf que moi, l'idée que je me fais, moi, de ce qui va se passer, c'est que... soit je méprise tout le monde et je ne dis pas ma conviction profonde. Ma conviction profonde, c'est que demain, il y aura besoin de moins de travail pour produire tout ce dont on a besoin. Et que le nombre de gens qui vont se retrouver avec un petit salaire, une petite pension, va augmenter. Donc j'ai mis sur la table ce qui est apparu comme, pour certains, c'est de la cistana, pour d'autres, c'est ça coûte beaucoup trop cher. J'ai mis la question du revenu universel. Yeah. En tout cas, j'ai voulu ouvrir ce débat-là. Comme j'ai ouvert la question du travail et des conditions de travail, en parlant du fait qu'aujourd'hui, ce dont on souffre au travail, c'est un peu moins qu'avant les troubles musculo-squelettiques, mais désormais des pathologies psychiques, d'où la proposition, qui n'a jamais été acceptée, de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Je me suis intéressé donc au boulot, au vrai boulot. Et je vais continuer à travailler là-dessus. Est-ce qu'on va y arriver tout de suite? Écoutez, la sécurité sociale, qui a, elle, parlé aux classes populaires, avant qu'elle se fasse, pendant plusieurs décennies, on a dit c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit c'est inéluctable. Et moi, je vous dis que le revenu universel, comme complément du salaire que l'on tire de son travail, et qui sera le même pour tous, et qui permettra de vivre correctement, ouais, redonne donc, du pouvoir. Ça, ce sera le nouveau marqueur de la gauche. C'est inéluctable. Ce sera avec ça que vous allez reconquérir les électeurs de la gauche. Parce qu'il est fort possible que ce revenu universel, vous le définissez d'une certaine manière, on peut reprendre ce terme-là et mettre autre chose. C'est-à-dire ça peut revenir, il y a des gens qui vont vous dire, moi je propose le revenu universel, Macron il pourrait arriver avec ça, et dire, mais derrière c'est simplement condenser toutes les aides en une seule aide. Et ça serait très différent de ce que vous proposez. Mais ça c'est la différence entre le whisky et le Canada Dry. Donc c'est la même couleur, mais ça n'a évidemment pas le même goût et ça l'ivresse n'y est pas. Moi, évidemment, j'ai bien vu... Non, mais Macron, c'est le coucou. Il s'installe dans le nid des autres et il prend les idées. Ah bah c'est lui en même temps. Oui, mais c'est le coucou. C'est-à-dire que le coucou, il ne fait jamais son nid. Il va dans le nid des autres. C'est exactement ce que fait Macron avec une habileté incroyable. Et là où vous avez entièrement raison, donc deuxième point d'accord, pardon si je suis d'accord avec vous, c'est que revenu universel d'existence que je proposais, il rebaptise, il dit revenu universel d'activité. Ah, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui existe déjà, le RSA, il y ajoute des contreparties, donc ça sera plus dur de l'avoir, et il le rebaptise revenu universel d'activité. Donc vous avez là ce qui est un rapt intellectuel, mais une chose, savez-vous en France, par exemple, ça on le dit jamais, mais il y a des auditeurs de RMC, ou des téléspectateurs maintenant, aussi, qui le savent parfaitement. Savez-vous que pour bénéficier des minima sociaux en France, à la différence de beaucoup de pays, il faut remplir un dossier. Si c'était automatique, ce qu'on sait parfaitement faire, 30% de personnes percevraient les minima sociaux qu'elles n'ont pas aujourd'hui sur leur compte en banque ou dans leur poche parce qu'elles ne remplissent pas de dossier. On fait le choix d'exiger des gens, alors qu'ils sont les plus pauvres, les plus, fatigués, les plus fragiles, les plus vulnérables, bien de leur demander de remplir un dossier. Et on sait, en faisant ça, que le taux de non-recours est toujours autour de 30%. Ça, c'est une hypocrisie totale. Ça veut dire qu'on fait une économie. Voilà quelque chose, à la fin du grand débat, ça ne devrait même pas se discuter. Faisons-le, ça. L'automaticité des minima sociaux. On va en reparler. Et là, j'applaudirai, hein, je vous assure. On va en reparler de ce grand débat, des autres listes de gauche. Benoît Hamon est dans le grand oral des G. Question de Jacques Maillot, qui est impatient, bien sûr. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.